n'est pas arrivé trop tard. Non, 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 ça va. Hein. Vous êtes en avance. C'est très bien, même au contraire. Mais la dernière fois, on était. Moi, j'étais un peu juste. Oui, c'est ça. C'est ça. Vous êtes animatrice. Nous, vous êtes invité aussi. Voilà. Invité aussi. J'ai vu sur Facebook. Oui, oui, voilà. Invité, oui. Voilà. Vous nous saurez tout à l'heure quand je vais me présenter. Ah, voilà. Heureusement que vous êtes là, le miroir, hein, quand même. Hein. Oui. Mais nous, les hommes, on est là pour dire s'il y a quelque chose qui va, s'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. On remplace le miroir. C'est moi le miroir de la mienne. Okay. Dès qu'elle a un souci, elle me dit comment tu me trouves. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est très bien. Oui, oui, Marcus. Voilà. Comme ça, j'en ai et merci, c'est gentil. Oui, bien sûr, on a encore 15 minutes. Oui, oui, parce que c'est vrai, j'ai eu l'occasion de... Il y a des petites bouteilles d'eau, il y en a une. Ah, c'est gentil, tu veux de l'eau, mon cœur. Tu peux te rapprocher un petit peu, ma vie, comme ça. D'accord. Mavica ? Oui. D'accord. J'ai eu l'occasion de choper quand même sur Facebook une émission avec mon ami, comment il s'appelle R majuscule, voilà, okay. J'ai dit, ah, c'est super, c'est bon. Okay. Oui, c'est bon. Radio, c'est bon. Mm-hmm. Il est vraiment suivi, très écouté. Oui. Très écouté, hein. J'ai fait de la pub un peu à droite, à gauche, et j'ai une amie qui vous a contacté, d'ailleurs. D'accord. Ouais, c'est bon. Vous voyez, c'est bon. Attendez. Oui, là, pour le mois de février, c'est rempli. Oui, c'est ça y est. Ouais. Eh bien, c'est très bien. Je partage. Amadeus regarde déjà. Par l'autre, elle est déjà. Comme ça, je pourrais répondre. C'est très bien fait. Hein? Tu me vois pas? Tu vois que j'ai partagé quelque chose. Attends. Je prends encore 15 minutes. Peut-être qu'il faut économiser un petit peu ta batterie de temps en temps. Oui, mais voilà. Après, bon, l'émission, de toute façon, je le fais après, et comme ça, tu comprends. Exact. Et là, si tu partages, toi, tes amis vont être. Mes amis voient aussi ce partage, parce que les gens sont venus aux entrées qui savent que je suis. D'accord, vous êtes à l'émission aussi. La radio existe depuis. Ça va faire 2 ans bientôt. 2 ans.
Clips si vous voulez, hein, mes clips perso, je ne sais pas si je l'ai envoyé par WeTransfer, les clips, non, je n'ai pas envoyé les clips, je les ai ramenés sur clé USB, comme ça, les clips, c'est nous-mêmes qui faisons nos clips, ah, c'est elle qui est derrière, ok, okay. C'est une artiste d'origine haïtienne.
C'est pas branché encore, hein. On a un petit souci de branchement, mais c'était juste pour que ça soit une petite souci. Voilà, pour remplacer les feuilles. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça, un son de compteur, oui. Au moins, il faut l'appliquer. Les feuilles aussi, ça dépend. Oui, on l'a déjà testé, oui. Elle n'a pas compris. Mets-toi le WhatsApp. C'est Paris.
Mesdames et messieurs, les auditrices, auditeurs de l'émission Les Carnets de Lise et de la RPC, bonsoir et bienvenue dans votre émission du jour. Aujourd'hui, c'est la première, bonsoir. Bonsoir. C'est la première émission des Carnets de Lise de l'année 2019 avec des invités qui rentrent chez vous. Pour cette émission, nous recevons, nous allons jouer ensemble, c'est-à-dire que vous allez appeler par téléphone. Nous allons donner de bons conseils pour les auditeurs, à la fois sur le plan business et sur le plan musical. De ce fait, nous accueillons pour vous deux grandes personnalités qui sont la PDG du concept Agenda MAB, en l'occurrence, Madame Antoinette Mabita, avec qui on va procéder au jeu. Bonsoir et bienvenue. Merci. Une grande, grande artiste qui a connu des succès, qui pourrait même remplir un chapitre de livre d'histoire de la musique, en l'occurrence, Fan Mania. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Fan Mania, c'est mon pseudo Facebook. Oui, d'accord. Je suis plus connu sur le nom d'Eric Florenti. D'accord. Monsieur Eric Florenti, voilà, bienvenue merci. À vous. L'occasion pour les auditeurs de l'émission de la RPC puissent découvrir pour certains Antoinette Mabita et Fan Mania, le pseudonyme Eric Florenti. De leur côté, les deux invités vont échanger avec les auditeurs sur les, surtout sur les activités à venir pour cette nouvelle année qui commence, cette année 2019. Chères auditrices, auditeurs, je vous souhaite déjà une bonne écoute de l'émission Les Carnets de Lise sur la RPC Radio Passion Culturelle. À noter, pour participer dans cette émission ou pour passer dans une émission de la radio RPC, vous pouvez rentrer en contact avec nous via ces coordonnées par mail radiopassionculturelle@gmail.com, par un WhatsApp de la radio qui est le 07 81 28 31 76 ou appeler directement et gratuitement par AudioNord aussi pour écouter l'émission, le 605 475 82 92, par le site internet de la radio qui est le www.radiopassionculturelle.com, par Facebook en tapant Radio Passion Culturelle pour le Facebook Live, ou passez nous voir directement dans notre studio qui se trouve au 141 avenue de Verdun à Issy-les-Moulineaux. Maintenant, voici le sommaire de l'émission du jour. En premier lieu, nous faisons un bref résumé sur l'émission pour l'année 2018. Deuxièmement, nous adressons la parole à nos invités. Troisièmement, nous parlons des sujets d'ordre général et divers. Quatrièmement, nous repassons la parole à nos invités du jour. Cinquièmement, nous terminons l'émission avec les derniers mots des invités. C'est sur l'ensemble de ces points que l'émission de ce vendredi 11 janvier 2019 va se dérouler. Encore bonsoir mes amis, bonsoir, bonsoir Antoinette Mabita, bonsoir, bonsoir à Eric Florenti, bonsoir. Alias Fan Mania, c'est bien absolument. Ça absolument. Alors aujourd'hui c'est un plaisir. À moi aussi, le plaisir est partagé. Bonne année à vous deux. Meilleurs vœux aux auditeurs, à tout le monde. Idem pour moi. Surtout la santé, hein. Surtout la santé, c'est primordial. Voilà. Parce que quand on a la santé, on est voilà. C'est tout. C'est la santé et surtout une année ouverte à plein de réalisations. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Il y a une autre personne encore qui n'est pas, on ne voit pas, c'est qui est dans l'ombre. Qui est dans l'ombre. Bonsoir à vous, bienvenue à vous. C'est votre manager. Hein? Oui, absolument. Et plutôt mon agent. Agent, ok. Agent, hein? Mon agent, c'est elle qui s'occupe un peu de tout ce qui est administratif. Ça c'est majeur pas c'est Très bien. Nous sommes en tout cas très heureux de vous accueillir dans le studio de la radio Passion Culturelle. Vous êtes en notre présence pour passer quelques heures avec nous, on va dire deux heures. Surtout pour communiquer premièrement sur vous personnellement et sur ce que vous faites et ce que vous faites dans la vie et pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Avant de rentrer dans le déroulement de l'émission, nous allons prendre une petite pause et on revient tout de suite dans l'émission Les Carnets de Lise. À tout de suite. You.
loves you. Show me your dance for life. Any way to please. Enveloppez-moi à dans tellement chalet dans tes soins. Ou chanter en d'autres mélodies. Bon, moi, les opposés, il y a aussi moi. Ou reconnaître normalement moi. En partie, mes soins cachés encore. De Lise sur la RPC Radio Passion Culturelle. Vous venez d'écouter Stevie Maï, Beautiful. Alors, comment vous avez trouvé? J'aime bien. Ouais. C'est très beau. Ouais. C'est très calme. Très apaisant. Nous vous rappelons que l'émission reçoit Madame Antoinette Mabita, PDG du concept Agenda MAB. Et Fanmania, dite Eri Florenti, qui est avec nous dans l'émission Les Carnets de Lise. Un artiste qui nous passe de présentation. Ces deux personnalités sont avec nous pour parler de leurs projets professionnels, surtout respectifs. Maintenant, passons au résumé de l'émission sur l'année 2018. Au courant de l'année 2018, l'émission a accueilli des personnalités d'horizons, de professions, de nationalités et d'univers divers. Des personnalités qui sont pour la majorité dans la musique, dans le cinéma, dans la poésie, le théâtre, dans la peinture, dans le business, dans la politique et dans le social. L'émission a surtout vu de bonnes rencontres entre les invités qui sont généralement dans des univers différents. Aussi, l'émission a été la source d'informations sur les événements qui se déroulent en France, notamment les prestations des groupes musicaux, sans oublier de nombreuses conférences de presse qui marquent la sortie d'albums ou les préparations de soirées, les bons plans et les programmations de détente en cours en France et dans la région parisienne. En gros, c'était sur tous ces points que l'émission a été déroulée pour l'année 2018. Pour cette nouvelle année, l'émission souhaite à tous les super branchés, tous les invités, une bonne et heureuse année 2019. Nous comptons porter le flambeau de la culture encore plus haut. Alors, moi, je peux rajouter que oui. J'ai vu la vidéo du résumé. C'est vrai que c'était vraiment varié, les personnalités. Mm-hmm. Vous avez fait un bon travail. Merci beaucoup. Maintenant, passons aux invités du jour, qui est Madame Antoinette Mabita, Fanmania, plus connue sur le nom de Eric Florenti.
Alors, ça va, mes amis? Oui, ça va, jusque-là, ça va. Jusqu'ici, tout va bien. D'accord. En tout cas, à noter que vous êtes Madame Antoinette Mamita. Je vais vous laisser vous présenter un petit peu plus en détail, mais avant tout, je dis un petit deux mots sur vous avant. Vous êtes la fondatrice du concept Agenta Mab. D'accord. Vous avez travaillé pendant plusieurs années sans rentrer dans les détails. Aujourd'hui, vous exercez l'activité de coach spécialisé dans la réussite des objectifs personnels et professionnels. C'est ça, l'efficacité professionnelle. Voilà, mais avant de commencer nos échanges, pourriez-vous vous présenter plus en détail pour les auditeurs et auditrices de l'émission Les Carnets de Lise de la radio RPC Radio Passion Culturelle. Je vous en prie. Ok. Ben moi, en tant que coach aujourd'hui, j'aide les femmes et les hommes à se donner un cadre pour atteindre leurs objectifs. Le souci que les gens ont en général, c'est que les personnes ont des objectifs, des projets, mais ne savent pas comment mettre les choses en place, comment poser les premières actions, comment poursuivre dans la continuité, conserver la motivation pour atteindre leurs objectifs. Vous savez qu'il n'y a que 3% des gens qui atteignent, qui vont jusqu'au bout dans ce qu'ils ont voulu au départ. Donc il n'y a que très peu de gens vraiment qui s'accrochent, on va dire, tout le long. Et moi, en tant qu'experte de l'efficacité professionnelle, j'aide les gens qui ont envie de sortir du lot, les gens qui ont envie d'avoir des stratégies, une organisation, un planning, un plan d'action pour être efficace et surtout pour réaliser plein de choses. Voilà, ça c'est mon travail en tant que coach. En tant que coach, merci beaucoup. On va revenir vers vous tout à l'heure. Ouais. Une fois encore, rebonsoir à Fanmania, à Eric Florenti. Alors, l'émission Les Carnets de Lise, à noter que vous êtes à la fois artiste et animateur de radio. Vous êtes un collègue. Animateur de radio. Oui, c'est ça. Animateur de radio, c'est ça. Non. Ah, pas du tout. Je me suis trompée. Non, je ne suis pas animateur de radio, non. D'accord. Vous n'avez jamais été animateur de radio? Non, pas du tout. D'accord. Ben, autant pour moi. Vous avez un parcours très riche dans la musique et vous avez connu des succès et des scènes avec des groupes mythiques, groupes comme les Stentor, c'est ça? Absolument. Super Kings et de nombreuses collaborations dans le Zouk et du Compalove. Oui, absolument. Sans trop détailler, je vais m'arrêter pour vous demander de vous présenter un petit peu plus en détail. Oui, absolument. Pour les auditeurs et auditrices, mais moi je vous ai vu à la radio. Bon, je vais vous laisser vous présenter déjà. Oui, alors donc, bon, c'est vrai. Je remercie la radio RPC de m'avoir invité. Oui, ici, avec plaisir. Ce fut un plaisir, un grand plaisir pour moi et une très très bonne et heureuse année à tous les auditeurs et auditrices. Merci. Voilà, je suis Eric Florenti. Plus connu, c'est-à-dire les gens me connaissaient sur le groupe, je suis l'ex-chanteur du groupe Zoukmania. Oh. Donc j'ai créé le concept Fanatic Mania parce que le Zoukmania étant donné que ce concept c'était dissous, j'ai dû, pour le public, j'ai dû garder le côté mania parce que le Zoukmania ne m'appartenait pas. Appartenait à Jean-Claude Biary qui était donc mon coach à l'époque. Et j'ai dû garder le côté mania et j'ai mis fan devant, fanatique. Ok, ça fait fan mania. Voilà, fanatique. C'est mon pseudo de Facebook. Et donc c'est fanatique mania. Et bien sûr, je l'ai raccourci en fan mania. Voilà, donc dans les années 80-90, j'ai dû fréquenter pas mal de groupes, en l'occurrence le groupe Vegaben, donc un groupe haïtien. Stentor, j'ai fait les Stentor, j'ai fait Super Kings, j'ai fait les Sympas. Et bien sûr, lors d'une répétition, Rodrigue Turlet est venu me voir pour me proposer de lui faire un titre sur un album, dont mon premier album est sorti, pas solo, mais mon premier album concept est sorti. Et après, Jean-Claude Biary m'a proposé de faire quelques chants sur le Zoukmania. D'accord.
D'accord, voilà. Très bien. Voilà. Donc, à l'issue, après, il y a eu quatre albums de Zootmania, donc quatre opus. Et après, j'ai décidé de faire un peu de mon album solo, qui est donc cet album qui est intitulé Fanatic Mania. Fanatic Mania. Voilà. Après cette belle présentation, nous allons prendre une petite pause et nous revenons tout de suite dans l'émission Les Carnets de Lise sur la RPC, Radio Passion Culturelle, avec Eric Florenti, alias Funmania, et Antoinette Mavita. À tout de suite. Retour dans l'émission Les Carnets de Lise sur la RPC Radio Passion Culturelle. Nous vous rappelons que l'émission reçoit Madame Antoinette Mavita, PDG du concept Agenda MAB, et Funmania, sur le nom aussi de Eric Florenti, qui nous passe de présentation. Nous venons d'écouter aux Antilles le titre numéro 6 de l'album Fanatic Mania de Eric Florenti. Alors, magnifique son, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que franchement, ça détend bien, c'est apaisant. Merci. Alors, très joli, hein, aux Antilles. Oui, alors aux Antilles. Quelles Antilles d'ailleurs? Comment? Quelles Antilles? Martinique. Alors donc le titre aux Antilles, bon, il est vrai qu'on aura l'occasion de parler de d'autres titres, mais le titre aux Antilles, c'est vrai. Le matin, avant de quitter le pays, j'allais contempler souvent la mer, et c'est pour ça que j'ai bien précisé que le matin, quand je regardais la mer, je voyais cette couleur. Mm-hmm. Vers 5-6 heures du matin, cette couleur qui habillait les Antilles avec cette couleur rougeâtre, en fait. Très bien. Aux Antilles, de l'album Eric Florenti, Fanatic Mania. On va revenir encore sur l'album, bien sûr, on est là pour ça. Absolument. On va passer à Madame Antoinette Mavita. Pourriez-vous expliquer pour un petit peu pour les auditeurs et auditrices de l'émission en quoi consiste exactement l'agenda MAB, c'est-à-dire sa mission, son champ d'activité? Alors, l'agenda MAB, que j'ai d'ailleurs amené quelques exemplaires. D'accord, hein, on peut essayer de le montrer un petit peu aux auditeurs. Hein, oui. Voilà. C'est un planificateur spécialisé. Pas comme les autres, parce que il est non daté.
Donc, quand on a un projet, on a une envie, un désir de réaliser quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et qu'on a envie de s'y tenir et de prendre vraiment le temps de se focaliser sur ce projet-là, mais on se procure cet agenda-là à n'importe quelle période de l'année parce qu'on aura tout le concept à l'intérieur, c'est-à-dire la partie plan d'action où on va définir, clarifier ce qu'on veut faire vraiment par la décortiquer l'objectif et ensuite on passe à l'action. Et cet agenda, l'avantage est que ça va nous inspirer. Il y a des citations dedans, il y a des petits conseils, des astuces, la manière dont on va mettre en place les priorités de ce qu'on veut chaque jour. Voilà. Et quel objectif dans la semaine on va réaliser les jours, chaque jour. Et du coup, on va être vraiment, vraiment bien cadré grâce à l'agenda qui va être un petit peu comme un compagnon. Et ça va permettre de matérialiser notre projet, ce qu'on veut réaliser. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je dis, cet agenda, c'est un peu comme un mini entraîneur, un mini coach où on n'a pas besoin d'investir beaucoup, on se le procure et on s'y tient au déroulement et on va tout seul essayer de se réaliser, de matérialiser, on va dire, son projet. Très bien. Voilà. Depuis quand ce concept existe-t-il? Quel a été justement le constat ou élément déclencheur qui vous a surtout poussé à créer ce concept? Alors, ce concept existe depuis fin 2017 qu'il est mis sur le marché. Donc, on peut le retrouver sur Amazon ou sur mon site agendamab.efficacité.com. Très bien. On peut voir l'historique, pourquoi. Moi, je le dirais en bref, c'est vraiment une envie de transmettre. J'étais dans un système salarial où j'étais un peu la responsable qualité par rapport aux produits qu'on porte, c'est-à-dire le textile. Okay. ça veut dire que on porte des vêtements, faut un certain nombre de réglementations, de conformité. Pour que nous, quand on le porte, qu'on soit tranquille. Donc moi, j'étais un peu responsable des processus pour que ces choses-là se passent dans les règles. Et je me suis dit, j'ai envie de transmettre cette expertise-là au service de l'humain. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont un peu éparpillés, ne savent pas trop cadrer les choses et c'est pour ça qu'ils tournent en rond, ils stagnent. Ou il y a aussi un problème de tenir ses engagements. Des fois on veut quelque chose, mais dans la longueur, dans le long terme, sur la durée, c'est un peu compliqué parce qu'il y a le quotidien, il y a les aléas de la vie, il y a des situations qui font que finalement on met notre projet un peu dans le tiroir. Voilà, de côté, c'est ça. Voilà. Et là, moi, le but, c'est vraiment de dire que, moi, j'aimerais donner un coup de pouce sur justement pour porter la personne et l'accompagner vraiment jusqu'à la réalisation parce que on est dans un monde aujourd'hui où tout va vite. C'est tout va en accélération et il faut pas être en marge de se dire que j'ai mon projet le temps que je me réveille, le temps que je commence un peu à tâtonner, les choses sont déjà faites, on est déjà sur chose. Et donc l'idée c'est de dire que comment je fais pour me donner les moyens pour arriver à faire, à matérialiser ce que je veux dans le temps et avancer comme tout le monde. Et on voit aussi beaucoup de gens réaliser plein de choses dans l'année. On se dit, mais comment il faut, on n'a que 24 heures. Dans une journée. Voilà. Et il y a des secrets maintenant, il y a des moyens de se
faire accompagner, il y a des moyens de mettre bien les choses dans tous les domaines d'ailleurs, hein, dans tout ce qu'on veut faire. Et l'agenda MAP déjà, je me suis dit, je veux créer déjà quelque chose de simple qui va permettre à tout le monde d'accessible à tout le monde, accessible à tout le monde, de s'en procurer et de commencer déjà à mettre les choses en place si on veut vraiment s'engager dans sa vie, à prendre sa vie au sérieux et à s'engager, à réaliser des choses, parce que c'est ça, on est jugé, les hommes, on est jugé par nos réalisations. Voilà, c'est ça. Donc voilà un très petit bien. Peu ce qui m'a inspirée. À un moment donné, j'ai dit, je vais faire ce travail-là. Et je l'ai fait, je me suis tenue et j'ai sorti cet agenda-là que je propose depuis fin 2017, régulièrement dans mes séminaires, dans les conférences, dans les salons, partout où j'y vais. C'est un élément, un outil complémentaire pour les gens. Merci beaucoup. Eric, qu'est-ce que vous pensez de ce genre, justement, de ce genre d'agenda, ce genre d'outil de travail? Bien, écoute, de toute façon, je suis bon pour la lecture, je suis, je suis très, très porté sur la poésie, sur la lecture, parce que, bien sûr, je suis auteur, pas compositeur, mais je suis auteur, donc je suis très porté sur le texte, et j'apprécie beaucoup son speech, d'ailleurs, déjà, c'est gentil. Et puis son agenda, Très bien. Pouvez-vous justement, Eric, pouvez-vous énumérer pour les auditeurs, auditrices, l'ensemble des prestations ou événements auxquels vous avez participé en tant qu'artiste pendant toute l'année 2018? Bah, l'année 2018, moi, bon, déjà, les gens m'ont vu beaucoup sur à la Salle Omnium. Hein. Du Bourget, oui. À la Salle Omnium du Bourget. J'ai aussi fait pas mal de prestations avec mes chanteuses qui sont... chanteuses qui sont invitées sur cet album, donc les Naïades, les gens que d'ailleurs je profite pour faire un petit coucou, les Naïades qui est donc d'être composée de trois filles, Enaï, Laïa et Karine Flo. Un petit coucou, hein, un petit coucou mesdames. Donc j'ai fait pas mal de prestations, enfin je pense que mon agent qui est à côté de moi et qui tient aussi mon calendrier est plus apte. Sera plus apte plutôt à répondre. Ah ben d'accord, mais on va lui poser la question. On va lui poser la question parce que c'était qui tient mon calendrier. Je n'ai pas beaucoup de mémoire à ce côté-là. Bon, c'est vrai. J'ai fait la Salle Omnium. J'ai fait aussi la Porte d'Orléans, le plénière de la Porte d'Orléans aussi. Beaucoup de manifestations associatives aussi, enfin je ne pourrais pas dire les dates exactes, mais on a fait l'année 2018. Il y a eu beaucoup de prestations, voilà, il y a eu beaucoup d'événements. Franchement, on a fait pas mal de prestations. Très bien. En tout, ben justement, j'allais vous poser la question, combien de scènes vous avez performé en 2018? Je crois que c'est même pas... Il y en a eu beaucoup, c'est tout. Il y en a quelques-uns. Ben, pour l'ensemble de ces activités auxquelles justement vous avez participé, quel bilan pourriez-vous en tirer par rapport au public? Oui, alors donc, beaucoup, je pourrais dire que c'est... Un bilan positif. Les gens sont encore actifs. On va peut-être vous avancer un tout petit peu, voilà. Les gens sont encore un peu timides par rapport au... On va dire pour au niveau des artistes antillais, parce que c'est, je vais dire, quand ils sont pas, ils ont plus l'habitude. Les groupes, ils vont avoir plus de manifestations par rapport au groupe que par rapport à un artiste. Ils préfèrent beaucoup s'il y a un groupe en live. En live, ils vont se manifester. Quand c'est un artiste en solo, en playback, on sent qu'ils sont moins. Ils adhèrent moins, mais bon, malgré tout, quand même, le public est là. Très bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les auditeurs et auditrices qui nous regardent? Marie Flaudru, l'agent de Eric Florenti. Très bien. Enfin, quand je dis agent, je m'occupe de son agenda, les prises de rendez-vous, les contacts avec les différentes associations. Très bien, merci. Avez-vous justement eu des regrets sur certaines choses que justement vous devriez faire en 2018 mais que vous n'avez pas fait en ce qui concerne les scènes,
les prestations, les... Ouais. Ah non, pas du tout. C'est-à-dire, moi, comment je pourrais dire, je suis très content déjà du travail que je fais. Mais en ce qui concerne l'année 2018 et l'année 2019, je suppose que ça va être idem. Hein. Je ne pourrais pas porter de jugement, mais je pourrais dire que ça pourrait être idem. Voilà. D'accord. Ah ben, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de Monsieur Eric Florentin? Je pense que c'est vraiment super déjà de faire ces différentes dates, parce qu'il y a plein de gens qui aiment bien ce type de musique-là. Voilà. Oui, absolument. C'est très gentil parce que, comment je peux dire ça? C'est-à-dire, j'essaie de suivre, de faire avec le temps. Mm-hmm. Comme on dit, par exemple, moi j'ai chanté des slow, du zouk. Oui, du zouk love. Mm-hmm. Et maintenant, c'est le compas nouvelle génération. Donc, si on veut rester dans le, comment dirais-je, dans le temps, mm-hmm. on est obligé de suivre la musique de nos jours. C'est pour ça que j'ai essayé de respecter, parce que c'est pas, j'ai rien contre le zouk, mais il y a j'adore le zouk. Il y a deux styles de musique qui marchent beaucoup en ce moment, c'est le zouk, la kizomba, le compas nouvelle génération. Si on reste on passera, voilà. D'accord. Est-ce que vous avez déjà écouté du compas? Est-ce que j'en écoute pas au quotidien, oui. Mais quelques artistes qui font du compas, oui. Voilà, ça m'arrive d'apprécier ce genre de musique. D'accord. On va revenir vers vous, Madame Antoinette Mabitard. On a parlé justement depuis quand le concept a été l'élément déclencheur. Voilà. Mais qui sont vos potentiels clients? Alors, mes potentiels clients sont des entrepreneurs, des femmes et des hommes qui veulent vraiment réaliser, passer un niveau supérieur dans leurs entreprises. Mm-hmm. Voilà. Des porteurs de projets que je suis aussi, qui me sollicitent pour les accompagner, les guider tout au long de la réalisation de leurs projets. Voilà. J'ai quelques particuliers. Monsieur, Madame, tout le monde aussi un petit peu. Qui peuvent aussi me solliciter, mais c'est vrai que généralement, c'est des gens qui veulent, qui se disent que moi j'ai envie de me lancer. J'ai envie de réaliser quelque chose cette année et je me donne les moyens. Je me donne les moyens, c'est pour ça, tout le long de cette année, j'organise, j'appelle ça des masterclass de productivité. Okay. Voilà. C'est en présentiel sur Paris, au format atelier, mm-hmm. où en groupe, nous réalisons des thématiques. Ce sont des réunions, C'est un atelier, okay. où j'enseigne, je transmets des thématiques autour de l'organisation, autour de la productivité, autour de la planification, autour de comment est-ce que je peux arriver à mettre en place mon plan. Encore mieux, c'est comme on est en début de l'année, les gens ont envie de faire un travail préparatoire. Parce que c'est bien d'avoir une idée, c'est bien d'avoir un projet, mais il faut déjà préparer cette idée-là, préparer le projet. J'ai envie de faire, je ne me lance pas tout de suite, je n'exécute pas tout de suite, je prends le temps. Je prépare, moi j'appelle ça préparer son camp de base. Voilà, préparer le terrain, terrain, voilà. De dire que voilà, le comment, où, quand, quelles ressources, je prépare bien, quelle stratégie je vais faire. Et se prendre ce temps-là, c'est faire la moitié du travail. D'organisation. Quand on prend ce temps-là, on fait la moitié du travail, parce que quand on a sa feuille de route, on fait que... C'est pour ça d'ailleurs qu'on va garder la motivation, oui, parce qu'on c'est sait ça, où on va. Exactement. Voilà. Tout à fait. On sait où on va. Mais quand on n'a pas fait ça, on a une idée et on se lance dans l'exécution,
ben, on risque, dès qu'il y aura un obstacle, dès qu'il y aura quelque chose, on baisse les bras. Voilà, c'est comme ça justement qu'on a, d'ailleurs, je reviens sur cet album, c'est cette idée que justement on a eue, parce que j'avais bien sûr l'intention de d'arrêter la musique quand, que, quand Marie Flaudru m'a dit non, 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 parce que les concepts, bon, il est vrai, c'est... le milieu musical, le milieu des artistes, c'est pas facile. Donc, bon, on a eu trop des... voilà, absolument. On a eu des hauts et des bas. Alors, j'ai voulu arrêter la musique carrément parce que ça, je ne trouvais pas de terrain de sortie. Hein. Et Marie Flaudru, qui est donc ici présente, m'a dit non, on va changer le fusil d'épaule. J'ai dit qu'est-ce que tu me proposes? Et c'est là qu'elle m'a dit non, on va faire une production, coproduction. Et moi, à ce moment-là, je veux me mettre en tant qu'agent et on va faire ton album en solo. Et d'où est né l'album Fanatic Mania. Et ma fille, une de mes filles, qui est donc Enaï, c'est elle qui a fait la pochette. Et depuis, on a créé un petit groupe. Un petit réseau. Donc, on fait notre propre aussi clip. Je réalise le clip et Marie Flaudru et bien sûr à la caméra, c'est elle qui fait les prises de vue. Ça c'est important aussi, ce que j'enseigne à mes clients, de prendre le temps de faire le break. Tout à fait. Voilà, de faire le temps mort, stop, on regarde. On regarde ce qui se passe, comment on avance, est-ce qu'on évolue vraiment, est-ce que c'est vraiment là-bas. Et on redresse. Mm-hmm. On redresse, on ajuste, on réajuste les choses pour mieux avancer. Très bien. Très voilà. Bien. Ça, c'est vraiment important de faire régulièrement ce temps-là de pause pour voir un peu où on va. Absolument. Ouais. Mais c'est vraiment important. Hein. Ce sont des très bons conseils. Chers auditeurs, auditrices, vous êtes sur la RPC Radio Passion Culturelle dans l'émission Les Carnets de Lise avec Madame Antoinette Mabita et Fanmania, Monsieur Eric Florenti. Voilà, il ne faut pas que je me trompe. Aujourd'hui, Mabita, vous exercez l'activité de coach spécialisée dans la réussite des objectifs personnels et professionnels. Sans oublier, il y aura les 8 conseils que vous avez aussi pour les auditeurs tout à l'heure. Pourriez-vous expliquer plus en détail pour nous, les auditeurs aussi, en quoi consiste votre métier exactement, ce métier? Le métier, moi je l'explique pas, le métier. Les gens, ils viennent tout de suite, comment je leur apprends leurs problèmes, comment on voit ensemble qu'est-ce qu'on peut faire, tout de suite on rentre dans le vif du sujet. Parce que ça ne sert à rien de oui, bien sûr. Et tout ça. Et si on rentre dans les conseils. Les 8 conseils. Les 8 conseils, c'est 8 conseils pour devenir productif en 2019. Très bien. C'est ça le nerf de la guerre. Parce que on est au début de l'année, On est au début de l'année. Tout le monde a des nouvelles résolutions. C'est ça. Et donc, surtout, il faut s'y tenir. Il faut s'y tenir. C'est-à-dire que dans ces résolutions-là, on insère plein de choses. Voilà. Je veux ça. C'est vrai. Tout ça, donc ça veut dire qu'il faut être productif. Bien sûr. Arriver à réaliser toutes ces choses qu'on visualise, qu'on se dit, dans le but d'améliorer notre quotidien, de nous améliorer notre santé, notre entourage. Mm-hmm. On a toujours des envies d'aller de l'avant. Voilà. Donc, dans les 8 conseils pour devenir productif, moi, j'avais sélectionné le conseil numéro 1, c'est toujours ce que je viens de dire tout à l'heure, clarifier ce qu'on veut faire vraiment cette année. Aujourd'hui, on est en début de l'année, on se dit, on n'a pas 10 000 objectifs, on n'a pas 10 000 projets. Il faut en choisir 3 maximum qui doit se réaliser en 2019. Dans l'année. Voilà. Dans l'année. C'est quoi votre objectif en 2019?
c'est quoi votre objectif en 2019? Je vais vous couper. Vous restez branchés avec nous. Vous restez sur l'émission Les Carnets de Lys sur la RPC Radio Passion Culturelle. Nous allons faire une petite pause. Je vous invite d'écouter ces 8 conseils parce qu'il y aura une surprise. Il y aura un cadeau tout à l'heure. Voilà. Il y aura un agenda à gagner. Et aussi un CD, Fanatic Mania à gagner. CD de Fanatic Mania à gagner de Eric Florenti. Absolument. Restez branchés sur l'émission Les Carnets de Lys sur la RPC Radio Passion Culturelle, sur le www.radiopassionculturelle.com, sur la plateforme Média à la Caille, sur le Tuning Radio et surtout sur le radioline.fr. A tout de suite dans l'émission Les Carnets de Lys avec nos invités du jour. A tout de suite. Une petite pause. De retour dans l'émission Les Carnets de Lys après cette pause musicale. Nous rappelons que l'émission reçoit Madame Antoinette Mabita, PDG du concept Agenda Mab, et Fanmania Eric Florenti, un artiste qui nous passe de présentation. Ces deux personnalités sont avec nous pour nous parler de leurs projets professionnels respectifs. N'oubliez pas, bien sûr, d'écouter l'émission sur le www.radiopassionculturelle.com, sur la plateforme Média La Caille, sur le Tuning Radio et bien sûr en tapant Radio Passion Culturelle sur Facebook. Comme ça, vous aurez l'émission en live. Alors, pas d'excuses. Ça va les amis? Oui, ça va jusque-là, ça va.
D'accord, maintenant passons aux actualités diverses avant de continuer avec nos invités du jour. Parlons un petit peu des programmes et activités diverses. Rétro Nostalgie Night, organisé par le zouk le plus long et le zouk le plus rétro. Comme je disais tout à l'heure, j'aime le zouk aussi. J'adore même le zouk. Demain, samedi 12 janvier 2019, de 23h à 6h du matin, c'est à la pointe des Antilles qui se trouve au 22 rue Pierre-Lagrange, dans le 94. Il y aura le zouk le plus long et le zouk le plus rétro. Los Productions et Adzect Music vous invite au concept de Yohan au Zénith Paris Porte de la Villette le samedi 19 janvier 2019 de 19h à 22h. L'adresse est au Zénith La Villette, 211 avenue Jean Jaurès dans le 19e à Paris. Il y a le concert aussi de Moonlight Benjamin le 25 janvier prochain, un trio férocement blues et les incantations d'une prêtresse vaudou de belle présence électrique. C'est à la Clef qui se trouve au 46 rue de Marelle. Pour rappel, un hommage à Louis Delgray, abolitionniste, anti-esclavagiste, figure de la résistance guadeloupéenne aux troupes napoléoniennes, est le nouveau projet du guitariste Pascal Danaé officiel. Croisé auparavant dans Rivière Noire, Victoire de la musique en 2015, meilleur album World, un power trio qui réinvente le blues en y injectant une transe abrasive. Un art en blues créole évoquant autant Johnny Hooker que The Black Keys. Des riffs de guitare trempés dans la braise, une batterie métro. Et puissante, tandis que du sous-bassophone cabossé s'échappe des lignes de basse telluriques, nouveau Saint-Germanois et militant de la cause antillaise, Pascal Danaé va jusqu'à interpeller Monsieur Président en nous faisant danser. En France depuis 2002, Moonlight Benjamin, certifiée authentique prêtresse vaudou, nous dit la pratique du chant à l'église ne suffisait plus. Je me sentais éloignée de ma culture et il me fallait me confronter, rencontrer la force de la terre, la force de mon pays, cette force séculaire qui fait Haïti après un passage après le jazz. Par le jazz et le Rolt, la chanteuse à la voix puissante et furieuse propose aujourd'hui un répertoire où textes et mélodies vaudou fusionnant avec le rock et le blues psychédélique des années 70. En écoutant ce projet solo, on jurait que les Black Keys se sont installés à Port-au-Prince. Justement, on est en train d'écouter un titre de l'album de Moonlight Benjamin. Comment participer justement à cet événement, à cette manifestation? Il faut tout simplement par le RER A, terminus Saint-Germain. La Clef est à 15 minutes à pied de l'arrêt. Par le bus, c'est le 259 arrêt Saint-Germain-en-Laye. La Clef est à 10 minutes à pied. Info pratique, zone de stationnement, si vous arrivez tôt, il y aura des places, mais il n'y en a pas beaucoup, hein. Les places sont gratuites, mais il faut arriver très tôt au parking de la Clef. Parking rue du Prieuré est gratuit aussi, mais par contre, le parking du château est payant. Il y a aussi les tarifs, c'est 17 euros en tarif en plein. 18 euros à l'entrée sur place. Si vous achetez votre billet avant, vous allez payer 17 euros. Si vous l'achetez à l'entrée, c'est 18 euros. Il y a le tarif réduit qui est à 14 euros. Et à l'entrée, le tarif réduit est à 15 euros. 10 euros pour les adhérents de la Clef. Réservez vos places directement sur le site de la Clef.asso.fr. Info pratique.
aussi. Il y a le courriel communication@laclef.asso.fr. Nous allons un petit peu écouter le son de Moonlight Benjamin. Et on va revenir tout de suite avec les activités diverses dans la communauté internationale. À tout de suite. L'émission Les Carnets de Lise sur la RPC, Radio Passion Culturelle. Vous venez d'écouter le titre de Moonlight Benjamin de l'album Sultan. Mémoire nous défraquer, voilà si j'ai bien prononcé. Moonlight Benjamin, l'album Sultan. N'oubliez surtout pas, comme je viens vous le dire tout à l'heure, il y a justement l'activité de Moonlight, un grand concert. Un trio férocement blues et les incantations d'une prêtresse vaudou. C'est bientôt, c'est le 25 janvier prochain, d'accord. On vous attend tous et surtout, n'oubliez surtout pas de réserver sur le site directement laclef.asso.fr. Il y a aussi d'autres activités. Collectif Haïti de France invite le grand public à son premier Haïti Tikozesu pour l'année 2019. Un ciné-débat autour du thème « Nous, c'est Roseau », les porteurs d'optimisme, le 24 janvier prochain à Paris. Selon le collectif, l'année débutera avec le film « Nous, c'est Roseau », les porteurs d'optimisme en présence de l'auteur et réalisatrice Nathalie Lucas, anthropologue, directrice de recherche au CNRS. La projection sera suivie d'un débat, puis d'une discussion informelle autour d'un apéritif. L'entrée est libre, au plaisir de vous accueillir nombreuses et nombreux. L'adresse c'est 21 Terre, rue Voltaire, dans l'11e à Paris, métro ligne 9, rue des Boulets. L'entrée est libre. Il y a aussi l'association Bougeons pour Haïti vous invite à la commémoration du 9e anniversaire du tremblement de terre en Haïti le samedi 12 janvier 2019 de 10h à 22h au 99 avenue Marceau, 93 700 à Drancy.
L'association Bougeons pour Haïti avait fait construire quelques mois après le séisme quelques petites maisons qui malheureusement ne sont plus habitables 9 ans après. Beaucoup de personnes n'ont plus d'habitation malheureusement. C'est pour cela que l'association a besoin de vous. Ce jour symbolique qui est le 12 janvier 2010, malheureusement déjà ça fait 9 ans, nous permettra de nous réunir afin d'échanger, de réfléchir sur l'ensemble, surtout sur notre pays Haïti. Tout ça, c'est demain, 12 janvier 2019, pour la commémoration du tremblement de terre en Haïti. Alors, voilà, c'est une date très triste, hein, ce 12 janvier 2010. Il y a eu beaucoup de morts. Voilà, c'est... Voilà, je préfère pas trop m'attarder dessus parce que sinon les larmes vont monter. Voilà, ça fait pas trop professionnel. Mais il faut avancer. Oui, voilà, il faut avancer, c'est ça. Je crois, ouais. Voilà, et honorer ceux qui ont péri, qui ont eu. C'est ça. Voilà, et puis dans l'hommage. Un hommage, hein, voilà, très un hommage à toutes ces victimes malheureusement et toutes ces personnes handicapées aussi. Voilà, il y a eu beaucoup de dégâts. Voilà, ce 12 janvier, il y a eu. Les handicapés aussi, parce que franchement, les gens. Et puis ceux qui ont tout perdu aussi. Ils ont tout perdu, oui, voilà. Démunis. Tout à fait. Et donc, ils organisent pour demain quelque chose. Voilà, c'est ça. Ils organisent demain. Là, c'est à Drancy. Il y a plusieurs commémorations. Hein. Il y aura aussi une commémoration à l'église à Paris aussi. J'aurai plus d'infos. Demain, là je ne l'ai pas, mais par contre il y a l'association ACDJ, l'association culturelle pour le développement de la jeunesse aussi, qui organise quelque chose, une commémoration, une date, le souvenir. Ce sera aussi demain, le 12 janvier 2019. Invite tous les Haïtiens et amis d'Haïti à une soirée de commémoration, de prière. Tout ça, ça va se passer, est-ce que j'ai l'adresse exacte, à la salle polyvalente Les Bruyères de 18h à 22h30. Là, c'est à, excusez-moi, là je ne vois pas du tout l'adresse. Ok, c'est 2 allées Marc Berking, 92 270 à Bois-Colombes, demain 12 janvier 2019, 2 Allez, Marc Bianking, 92 270 à Bois-Colombes. Il y aura un petit coup d'œil sur Haïti, sur commémoration, voilà, des artistes invités, conteurs, des intervenants. Il y aura des moments de partage, moments de prière. Bien sûr, il y aura la consommation sur place. L'entrée est gratuite. Pour tout renseignement, vous pouvez appeler au 07 81 22 56 21 ou alors le 06 42 25 41 64. Tout ça, c'est demain 12 janvier, le 2 allée Marc Berking, 92 270 Bois-Colombes. Si vous voulez aussi, il y a aussi à Drancy, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est demain samedi 12 janvier, de 10h à 22h, 99 avenue Marceau, 93 000 à Drancy, pour la commémoration du 12 janvier. Voilà, c'est une date vraiment très triste. Bien sûr, on va essayer de... Voilà. Ouais, et moi, j'aimerais rebondir à cette date-là. Oui, bien parce sûr. Il faut avancer. Mm-hmm. Il faut, de toute façon, en tant que présidente d'association aussi, oui. En tant que fondatrice d'un club des femmes, mm-hmm. de la diversité qui font, donc mm-hmm. le club FDF. Très bien. Nous organisons aussi mm-hmm. demain une rencontre, c'est-à-dire la rentrée. Oui. La rentrée de la diversité. La rentrée de la diversité. Voilà. Très c'est, bien. C'est-à-dire que cette année sera vraiment marquée par le fait de dire que nous voulons, nous aussi, les femmes de la diversité, être un peu plus représentées en termes sur la sphère économique. Être un peu plus visible aussi, parce qu'il y a une minorité où on a des têtes,
des personnes issues de la diversité qu'on voit, mais le souci, c'est qu'il n'y a pas que 2-3 personnes qui existent en France. On est nombreux issus de la diversité, et l'idée est qu'on soit un peu plus représentatif. Voilà. Et cette année sera vraiment marquée par divers événements. Donc nous on va faire le lancement de cette rentrée avec les Fables de la Diversité à Paris, à l'hôtel Mercure. D'accord. Donc, ça à partir de quelle heure? À partir de 19h. Très bien. Que j'invite vraiment toutes les femmes qui sont issues des minorités, de la diversité, qui souhaitent vraiment faire la différence, marquer un peu plus, avoir des objectifs un peu plus hauts, de venir nous rejoindre au club des Femmes de la Diversité qui font. Donc ça sera demain 19h à Paris, à l'hôtel Mercure, donc métro Grand Boulevard. Voilà. Très bien, Antoinette Mabitar. Alors, Eric Florenti, ça va? Ça va très bien. D'accord. Marie Flaudru. Marie Flaudru. Marie Flaudru, d'accord. Maintenant, si je regarde bien ma fiche, Eric, parce que j'avais tout maqué fan manal, ça me trouve un petit peu. Voilà. Vous avez sorti votre premier album solo en décembre 2015. C'est bien ça? Oui, oui, absolument. Voilà. Cet album. Voilà, cet album-là qui s'appelle Fanatique Mania. D'accord, sous le nom de Eric Florenti. Alors, parle-nous un petit peu plus en détail de cet album, c'est-à-dire quel titre qui baptise cet album, combien de titres composent cet album, et surtout, est-ce qu'il y a des titres qui marchent mieux que d'autres? Oui, absolument. Alors, donc, pour répondre à la question, il y a 8 titres sur cet album. Mm-hmm. Donc, le titre phare, c'est Par amour. Par amour, c'est un titre que c'est comme je disais. Il y a une petite histoire. Hein, il y a une petite histoire. Il y a une petite histoire. Oui, parce que le titre Par amour, c'est un titre que j'ai créé pour mon épouse. Magnifique. La décrire exactement et pour la remercier aussi de m'avoir donné l'idée de créer de faire cet album. C'est une belle déclaration. Hein? Alors, il faut rendre surtout hommage aux personnes pendant. Oui, je crois, oui. Pendant que les personnes sont... Voilà, mais les paroles, c'est tout à fait sa description, en fait. Wow. Ah, d'accord, c'est très bien ça. On va l'écouter tout à l'heure. Hein. Oui. Par amour, c'est le numéro 2 de l'album, de votre album, Eric Florenti. Et puis aussi, il y a aussi des chanteuses, le groupe Les Naïades, j'ai invité aussi sur cet album. Et au nom de trois filles. Hein. Voilà, les trois filles au nom de Enaï, Laïa et Karine Flo. Pourquoi? Parce que, bon, il me fallait 8 titres et, sur cet album. Et comme, c'est mes deux filles et ma nièce. Donc, je leur ai fait la proposition parce que j'ai voulu que ça reste familial. Je leur ai fait la proposition de faire un titre sur mon album. Donc, elles ont toutes les trois chanté un titre sur cet album. Les Naïades, hein. Oui, absolument. Ouais, elles tournent avec moi, elles tournent avec moi dans les prestations. Super bizarre, hein? Ah, c'est très bien. En tout cas, tout à l'heure, on va écouter le titre numéro 2 hein, de votre album, Fanatique Mania. Par amour. Par amour, bien sûr, en hommage à votre épouse. Alors, c'est une très belle déclaration d'amour. Et on va l'écouter tout de suite ou peut-être hein, tout à l'heure. Mais quels sont les auteurs, justement, compositeurs de chaque morceau sur cet album? Alors donc, je suis auteur de tous les titres. De ces huit titres, puisque comme j'ai dit auparavant, je suis auteur, je fais aussi de la poésie. Je tourne mes poésies en chansons. Hein. Et je tiens à remercier aussi le compositeur de cet album, qui est donc Oscar Michaud, donc un haïtien, sur quelques titres et 3 titres aussi qui ont été composés aussi par 3 titres de zouk, parce que les filles ont chanté du zouk sur cet album. Je dois d'ailleurs le remercier Jean-Jacques Roussil qui a composé ces 3 titres-là, les 3 titres des Naïades.
des trois titres des Naïades, les jeunes femmes, bien sûr, les magnifiques jeunes femmes qui sont sur l'album. Absolument. Est-ce qu'il y a des titres en featuring avec des artistes ou groupes? Si oui, lesquels? Le titre, normalement le titre phare, c'est Par Amour sur cet album. Hein. Mais il est vrai que il y a aussi le titre Chimène. Le titre aussi, je lui ai dit d'ailleurs. Oui, c'est quel numéro, oui. Je lui ai dit, a été chanté aussi par et Laïa. Laïa, ok. Donc le numéro 6 en l'occurrence. Très bien. Non, le numéro 5. Le numéro 5 qui est donc, je lui ai dit. Chimène est le numéro 3, et puis les filles, et Karine Flo a chanté, bien entendu, Fait la lumière, le numéro 7. Voilà, donc, et il est vrai que quand elles sont venues à la maison, Fait la lumière, je lui ai dit, et Chimène, c'est trois poésies que j'avais fait. Alors, donc, je leur ai dit de choisir un titre, et toutes les trois ont choisi ces titres-là, donc j'ai. Très bien. Voilà, pour créer cet album. D'accord. Mais pour cet album solo, quelle nouveauté pour Fanmania, par exemple, offre au public par rapport à ses chansons passées? Oui, c'est vrai, j'ai changé carrément mon style. J'ai changé carrément le style parce que, comme je dis, il faut quand même rester à la page un petit peu. Rester à la page au goût du jour. Au goût du jour. Comme j'ai voulu faire un solo, j'ai voulu, à l'aide bien sûr de mon épouse qui est donc à côté de moi, Marie Flaudru, l'album, on a parlé un peu, on s'est concerté, et elle m'a dit, on te connaît sur le style de compas, oui. Il faut toujours que tu restes compas, mais compas nouvelle génération, donc je suis allé voir qui de doigt. Parce que, comme je dis haut et fort, pour faire du zouk, il faut aller voir un entier. Pour voir faire de la variété française, il faut aller voir un métropolitain. Donc j'ai voulu faire du compas, je suis allé voir un haïtien. Voilà. Okay. Est-ce que vous avez quelques noms? De titres ou quelques noms des haïtiens, les compositeurs, mais Oscar Michaud en l'occurrence, c'est celui qui a fait tout l'album qui a créé l'album musicalement parlant, qui a fait voilà. Nous avons aussi Harry Starr, donc Harry Milor, donc Harry Starr, c'est lui qui a fait un peu la basse. Enfin, un petit coco aussi qui est déjà passé dans l'émission Les Carnets de Lise. Ah oui, Harry Starr. Voilà, il y a quelques semaines. Je connais très bien, c'est un ami, il a fait voilà. C'est lui qui a fait la basse sur cet album. Très bien. Alors, Mavita, oui. On va revenir à vous. Oui. Et après Fanmania, Eric Florenti, tout à l'heure on va écouter le titre Par Amour que vous avez bien sûr composé, c'est ça, pour votre épouse, Marie Flaudru, si je ne me trompe pas. Donc, voilà. Et on va l'écouter tout à l'heure, mais on va commencer par les 8 conseils de Mavita. Oui. Ok. Et donc, moi j'avais préparé ces 8 conseils pour devenir productive en 2019. Donc, le premier conseil pour moi, c'est trouver votre raison de vivre. Votre raison de vivre, votre pourquoi. Okay. Pourquoi vous allez vous lever tous les matins? Pourquoi vous allez, quand qu'il pleuve, qu'il neige, que vous allez sortir pour faire ce que vous avez à faire? Sortir de son lit bien chaud, je sors quand même. C'est pas évident pour tout le monde, ça. On est tous pareils, c'est pas évident du tout. Voilà. Mais pourquoi vous allez le faire quand même? Voilà, c'est ça qui va faire la différence sur comment est-ce que vous allez devenir productif. Quand vous savez votre pourquoi, vous êtes productif parce que vous allez quand même vous lever, vous allez quand même poser des actions, vous allez quand même rencontrer les gens qui doivent vous faire avancer, qui doivent vous faire signer des contrats, vous allez aller prospecter vos clients, vous allez démarcher, vous allez réseauter, toutes ces choses-là,
vont être suivis d'un pourquoi qui est derrière, qui pourquoi est pourquoi je fais ça, pourquoi je fais tout ça. Voilà. C'est le premier conseil. C'est le premier conseil, trouver votre pourquoi. Trouver votre pourquoi. Voilà. Ça vous parle tout ça, hein? Moi, de toute façon, je sais pourquoi je me lève le matin. Pour... Voilà. Voilà. Ça parle à tout le monde, ça. Oui. C'est clair, quand on est artiste, c'est la passion. Ça vient d'un talent naturel. Donc, du coup, c'est clair que c'est relié à son pourquoi directement. Ça vous parle, Marie-Faudrey? Le pourquoi? Oui, ça parle, ça parle, c'est vrai, ça parle. Voilà, le premier conseil. Le deuxième conseil. Le deuxième conseil, être capable de matérialiser sa vision. On a une vision, beaucoup de gens restent dans la théorie. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'accumulation des connaissances. C'est-à-dire on cumule la connaissance et on est très à l'aise en société pour étendre tout ce qu'on sait et tout ça. Mais dans la réalité, de passer ces connaissances dans la mise en pratique. D'accord. Ça, c'est cette capacité-là qui parfois fait défaut. Parce que quand on décortique, quand on creuse un petit peu... des fois, on voit qu'il y a un écart entre ce qu'on sait et qu'on n'a pas besoin de le dire, parce que moi, des fois, j'enseigne des choses tellement évidentes. Oui, je le sais, mais est-ce que tu le mets en pratique? Est-ce que tu le matérialises, que tu sais, pour te permettre d'avancer? Eh bien non. Être capable de matérialiser sa vision et transformer l'information à la pratique. Voilà. Et quand on fait ça, on est productif. Voilà. Ça, c'est le deuxième conseil. Ça, c'est le deuxième conseil. Alors, écoutez bien, chers auditeurs, auditrices, écoutez bien. Alors, il y aura un cadeau, je crois. Est-ce que vous pouvez nous le rappeler, Mamita? Est-ce qu'on peut le montrer? Le cadeau, c'est l'agenda. Donc, si vous pouvez nous dire quelle est l'astuce pour vous pour être productif? Qu'est-ce que vous faites dans le quotidien pour faire un peu plus de choses, pour vous motiver, pour réaliser ce que vous avez à faire? Quelle est votre astuce? L'agenda est là aujourd'hui, donc les personnes peuvent appeler pour tenter de le gagner. D'accord, je vous invite à appeler. La question exacte est... quelle astuce vous faites-vous pour être productif? Quelle est votre astuce? Qu'est-ce que vous faites vous dans votre quotidien qui vous permet de dire que quand je fais ça, je me sens productif? Alors, on vous invite à appeler le 07 81 28 31 76. Je répète, 07 81 28 31 76. Alors, Madame Antoinette Mamita va continuer avec les conseils. Alors, conseil numéro 3, moi je dirais maîtriser l'utilisation de son temps. Ça, on n'a que 24 heures. 24 heures dans une journée. C'est pour tout le monde. Personne n'a 25 heures. Une heure de plus, ce n'est pas possible. Ce serait bien, Ce serait bien. Ce serait génial. Hein. Mais non, qu'on soit Barack Obama, qu'on soit Monsieur Lambda, on a tous... même timing. 24 heures hein, dans une journée. Et comment vous faites-vous pour justement arriver à planifier, à organiser votre journée de sorte à mettre vos priorités dedans, vos engagements dedans, votre bien-être aussi, le temps de pause, parce que c'est important aussi de se planifier temps de où je fais parce que juste pour être un peu calme. Ne pas être trop surchargé non plus, ne pas aller dans le burn-out parce qu'on a envie d'être productif et donc il faut tout entasser. Comment je fais pour maîtriser mon temps? Donc c'est la gestion de temps, savoir planifier son temps de manière à ce que ça soit adapté à son style de vie, à sa façon à son mode de fonctionnement pour pouvoir être en équilibre par rapport au temps. Voilà.
Très bien, ça c'est le conseil numéro 3. On va continuer avec le conseil numéro 4. Alors, le conseil numéro 4 pour moi, c'est se créer une boîte à outils. Une boîte à outils de l'efficacité, c'est-à-dire, là aujourd'hui, moi je évidemment, je vais proposer mon agenda, oui. Pour dire que je propose l'album. Hein. Voilà. C'est-à-dire qu'on a les agendas électroniques, on a les listes aussi, il y a des gens qui font des to-do lists. On a plein d'outils qui peuvent nous aider. Oui, absolument. Voilà. C'est vrai. Et se dire juste quel est moi, mon outil à moi, qui va m'aider. Vous avez votre agent vous avez votre agent qui peut planifier, organiser votre calendrier. Mm-hmm. Donc ça fait partie des outils pour que vous soyez productif dans votre talent, absolument, que vous vous concentrez juste sur ce que vous savez faire. Parce que des fois, les gens, je fais une parenthèse, les gens m'appellent sur mon portable et puis ils me disent telle date, tu es libre. Des fois, je lui dis oui. Oui. Et puis elle est dans la cuisine, elle revient, elle me dit maintenant, telle date, tu as. Planifié. Il faut que je rappelle la personne pour lui dire je suis désolé. Donc, c'est ça. Donc, si elle n'est pas là, je suis un peu perdu. Et donc, moi, je propose aux gens aujourd'hui de se procurer l'agenda pour 2019 pour vraiment se focaliser, se concentrer avoir cet agenda-là comme un outil de travail, comme un guide qui va vraiment permettre de concrétiser ce qu'on veut, qu'on souhaite réaliser cette année. Très bon investissement, hein, en tout exactement. Cas. C'est à procurer tout à l'heure, de toute façon, vous allez donner où on peut procurer l'agenda. Aujourd'hui, on peut le gagner, mais on peut s'en procurer sur le site Amazon. Mm-hmm. C'est disponible, il n'y a pas de souci, on tape agenda MAB et on tombe sur l'agenda. MAB, voilà. MAB, en plus, il y a une réduction en ce moment. Il y a une réduction de moins. Il y a une réduction. Ouais. N'oubliez surtout pas d'appeler au 07 81 28 31 76, soit pour gagner l'album de Monsieur Eric Florenti, Fanatique Maniard. Il n'y a pas de question pour l'album? Oui, on va poser une petite question. La question est la suivante. Quel est le nom du groupe qui m'accompagne sur cet album? C'est très facile. Qui m'accompagne sur cet album? Moi je l'ai entendu plein de fois. Si vous avez la réponse, chers auditeurs, auditrices, Facebookiens, Facebookiennes, alors je vous invite à appeler au 07 81 28 31 76 et comme ça vous avez l'album, vous pourrez gagner l'album d'Éric Florenti, j'ai un problème avec le nom, Florenti, d'accord, Fanmania, pour gagner cet album, le nom du groupe qui accompagne Éric Florenti sur cet album. Voilà, sur cet album. On l'a, en tout cas, la réponse, on l'a déjà entendue plein de fois. Voilà. Moi, j'ai entendu aussi. On va revenir vers Antoinette Mabita pour la question encore. Est-ce que tu peux nous énumérer la question? Pour vous, les auditeurs, quelle astuce vous avez pour être productif en 2019? Qu'est-ce que vous faites d'habitude? Qu'est-ce que vous envisagez pour 2019? Si vous voulez changer vos habitudes, si vous voulez conserver un fonctionnement qui marche, quelle est votre astuce pour devenir productif en 2019? Ben, si vous avez une petite astuce, n'hésitez pas. Alors, il faut toujours essayer. L'agenda a gagné. Agenda MAB, 9 mois pour relever le défi d'atteindre vos objectifs de vie. Alors, je vous invite à appeler au 07 81 28 31 76, soit pour gagner l'agenda MAB, soit pour gagner l'album d'Éric Florenti. Bien sûr, la question, elle est très facile. Encore, on va. Est-ce que tu peux encore nous poser, reposer la question. Oui, la question est la suivante. Quel est le nom du groupe qui m'accompagne sur cet album? Très bien. C'est mon album, Éric Florenti, Fanatique Mania. Alors, à vos téléphones, appelez. Qui ne t'entraîne à rien, il faut appeler.
Alors, on vous attend. On va continuer avec Antoinette Mamita sur les conseils. Là, on est conseil numéro 5. Très bien. Alors, soyez organisés. Ça a l'air simple. Ça a l'air tellement évident. Mais c'est pas si facile que ça. Oui. Pour être productif, il n'y a pas de secret. Hein. Mettre un peu de méthode, un peu de l'ordre. Ça, dit comme ça, ça a l'air un peu carré et tout ça, mais même un artiste, même les gens qui sont créatifs, il y a besoin à un moment donné de cadrer les choses, de s'organiser pour devenir productif. Donc le conseil numéro 5, le conseil numéro 5, pour être productif, soyez organisé pour vous concentrer sur l'essentiel. Très bien, c'est très bon conseil. Hein? Alors j'espère que vous êtes branchés sur le www.radiopassionculturelle.com, sur la plateforme Média Lacaille, sur le Tuning Radio, sur Radio Line.fr et surtout sur le Facebook Live de la radio, Radio Passion Culturelle, dans l'émission Les Carnets de Lise avec Madame Antoinette Mamita et Monsieur Eric Florenti. Et bien sûr, avec Madame Marie Flaudru. Alors, chers auditeurs, auditrices, vous êtes dans l'émission Les Carnets de Lise sur la RPC Radio Passion Culturelle. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces conseils, de ces 5 conseils déjà, Eric? Normalement, c'est clair hein, qu'il faut avoir une boîte à outils pour pouvoir savoir. Surtout si on a son agent à côté. Absolument. Savoir le matin se réveiller et savoir pourquoi. Qu'est-ce qu'on doit faire de la journée. C'est 5 bons conseils à suivre. Voilà. Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui va faire qu'il neige, qu'il pleuve, on va se réveiller, on va y aller. Parce qu'on a cette motivation qu'on dit, la motivation intrinsèque, qui vient des tripes. Et qu'on sente, c'est ce que j'enseigne à mes clients, de dire que quand je suis en train d'écrire mes objectifs, même de le réajuster, il faut sentir cette vibration, il faut sentir de l'adrénaline. Il faut se dire, cet objectif-là, ça me fait vibrer, ça me galvanise. Et ça, quand on ressent ça, on sait qu'on ne lâchera pas. Voilà. Très bien. Parole d'une coach, hein, et spécialiste. On va continuer avec Madame Antoinette Mamita pour le conseil numéro 6. Alors, c'est le nerf de la guerre. Éliminer la procrastination. Alors, qu'est-ce que c'est? Voilà. Procrastination. La maladie de tout remettre au lendemain, à plus tard. On a quelque chose à faire. Des fois, on l'a prévu. Des fois, on l'a même mis dans son agenda. Mais inconsciemment, il y a un blocage, un frein. C'est vrai, ça arrive. Parce que la chose qu'on doit faire, c'est important, mais elle est ennuyeuse, elle est fastidieuse à réaliser. Donc, inconsciemment, on va repousser la tâche. D'accord. Et c'est vrai. Voilà, c'est là où on va procrastiner. Il ne faut pas remettre à demain ce qu'on doit faire le jour même. C'est le cas de tout le monde. On va reporter ça demain. Et puis le lendemain, on se dit, j'aurais dû le faire hier. Et c'est ça. Et puis finalement, on reporte. Et on ne le fait pas. Voilà, on ne le fait pas. Ou on n'a pas le moyen de le faire. Parce que c'est trop tard. Et c'est vraiment éradiquer la procrastination pour devenir productif. J'ai quelque chose à faire, fais-le. Je me dis, moi je me mets des post-it bien flashy où je mets fais-le immédiatement. J'écris fais-le immédiatement. Je le prends, je le mets, fais-le, ça me regarde. Voilà. Il faut trouver des astuces parce qu'on sait, voilà, c'est une tâche qui est un peu lourde et tout ça. Comment je fais pour le faire quand même? Donc, se donner des astuces pour le faire et avancer. Et
s'y tenir surtout. Hein. Voilà. Pas changer d'avis, on va revenir à la question du jour. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la question du jour? La question du jour, c'est vous et vous, quelle est votre astuce pour devenir productif en 2019? Donc, qu'est-ce que vous faites au quotidien pour vous dire que je suis productif? Alors, je vous invite à appeler le 07 81 28 31 76 si vous avez, voilà, si vous avez une idée. Alors, n'hésitez pas. Appelez pour donner votre réponse. Voilà, votre réponse peut-être est la bonne. Alors, on vous attend. Alors, il y a aussi la question de Eric Florenti pour gagner l'album. Quel est le nom du groupe qui m'accompagne sur mon propre album? Il faut appeler le 07 81 28 31 76. Alors, on vous attend. Appelez pour pouvoir gagner l'album de Fanmania, Eric Florenti, Fanatique Mania. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un au bout du fil? C'est parti. D'accord. Alors, essayez de rappeler, s'il vous plaît. On vous attend. Soyez pas timide. Il y a l'agenda MAB. On va vous à gagner. Hein. Alors, c'est un outil de travail. C'est très professionnel. Alors, je vous invite à appeler pour avoir la chance, voilà. La possibilité, de le gagner. Tout simplement. Une petite pause et on revient tout de suite dans l'émission Les Carnets de Lise avec nos invités du jour, qui est Madame Antoinette Mabitard, qui est aussi le manager, surtout l'agent de Monsieur Eric Florenti, Marie Flaudoui. Voilà. Et bien sûr, notre artiste qui est Fanmania, Eric Florenti. À tout de suite dans l'émission Les Carnets de Lise sur le www.radiopassionculturelle.com dans l'émission Les Carnets de Lise. À tout de suite. Il s'est trouvé l'amour qui guérisse tous les maux. Elle n'est pourtant pas grande, aussi forte qu'un géant. Si elle existait dans des milliers d'exemplaires, l'amour et la paix régneraient sur cette terre. Elle est prête à tout donner pour aider les malheureux. Elle le fait juste par amour.
Pour son épouse. Alors, quelle belle déclaration d'amour d'Eric Florenti. L'album Fanatique Mania par amour, auteur Eric Florenti, compositeur Oscar Michaud. Absolument. Magnifique. J'aime beaucoup et je suis sûre que les auditeurs, auditrices, que Antoinette Mamita aime ce titre. Alors, moi, j'adore ce titre, sincèrement. Première fois, j'ai dit. On est emporté. Voilà. Oui, emporté, hein. Et ça y est, on est parti. On est dans un bien-être. Oh là là. C'est vraiment. Alors, la... Marie, hein, magnifique titre, hein. Quand vous écoutez ce titre, qu'est-ce que ça vous fait, justement, hein? Est-ce que ça vous fait lever le matin? Oui, c'est ça. C'est ce qui me fait me lever le matin. Voilà. En sortant du lit, j'ai dit bon, ben voilà. Je vais faire son planning. Voilà. Par amour. C'est ça. Waouh. En tout cas, c'est très beau. Hein? Mm-hmm. Oui, c'est vrai, j'ai pris mon temps à écrire ce titre-là. Et c'est vraiment authentique. C'est vraiment. Très authentique. Il n'y a rien d'imagé. Hein? Mm-hmm, mm-hmm. Enfin, d'imaginaire, je veux dire, par là. Mais j'ai vraiment regardé ses faits et gestes avant d'écrire cette chanson. Et ce que j'ai écrit là, c'est tout à fait elle. Avec des mots tout simples. Une belle histoire, ça sent du cœur. Ça voit, ça se sent. J'ai vraiment cherché les mots parce que je ne voulais pas que ce soit des mots usuels. J'ai pris mon temps à faire ce texte, plutôt, en l'occurrence. Et après, je suis allé voir Oscar Michaud et lui dire, je veux un titre, une musique qui va avec un texte. Tant que je n'ai pas la bonne musique, je ne pourrais pas mettre ce texte. En tout cas, pour moi, hein, c'est une réussite. Hein? Tout à fait, c'est très beau. C'est très, très beau. Et même l'histoire qui renforce. Oui. Maintenant, faisons un petit peu de promotion pour votre album, Fanatique Mania. Dis-nous, ça c'est quel titre que vous aimeriez faire tourner et comme ça, on pourra en discuter. Moi déjà. La question est posée, la réponse est déjà, mais voilà. Normalement, si c'est vrai, bon, pour faire tourner, je dirais par amour, et je parlerai... Pour la Saint-Valentin. Par amour pour la Saint-Valentin, et pour le... par amour, c'est un titre qui touche tout le monde, parce que si on écoute le texte, réellement, ça touche toutes les femmes, toutes les femmes, surtout les mamans, ça c'est important, parce qu'on peut... parler de sa mère comme j'ai fait, hein, mais ça touche les femmes et les mamans. Je vais aussi après parler de pourquoi la chanson Remerciement. D'accord, oui, qu'est-ce qu'il représente pour vous, voilà, pourquoi ce titre, est-ce que, en tout cas, j'ai l'impression que chaque titre, vous faites passer un message. Oui, je passe un message. Sur chaque titre, même les titres chantés par les naïades, aussi, parce que j'ai, étant donné que c'est, d'ailleurs, Marie Flaudru m'a dit, c'est ton premier album, tu n'as pas le droit à l'erreur. Voilà, donc elle m'a mis la pression. Voilà un peu pression. Sa pression, déjà, dès le départ. C'est son but de se réveiller le matin. Ah oui. On revient sur ce que tu as dit tout à l'heure. Voilà, le conseil numéro un. Voilà. Le pourquoi. Donc, elle m'a dit, on va faire un album, mais tu n'as pas le droit à l'erreur, parce que tu t'appelles Eric Florenti. Donc, elle m'a dit, au niveau texte, tu te débrouilles, et après, on parle... Et tout à l'heure, on entendra, si on aura le temps d'écouter, un des titres des Naïades. Hein. Très bien. Alors, on va continuer avec... Nous allons écouter un autre conseil avec Antoinette Mabita. Oui. Alors, on est... Afin d'être productif, pour être productif pour l'année 2019, toujours avec des explications à l'appui, bien sûr, pour les auditeurs auditrices. Oui, donc le conseil numéro 7, oui. C'est
sine qua non, soyez constant et régulier. Ça, c'est vraiment important d'avoir une discipline. Mm-hmm. C'est-à-dire que les actions marginales où on va tirer à gauche, à droite, j'ai une idée, je fais, et puis après, un mois plus tard, mm-hmm. plus rien. Et on attend 2 mois, il y a des clients qui viennent me voir, ils me disent, j'ai un projet, je l'ai fait pendant 1 mois de façon très intense, mm-hmm. et puis j'ai eu un coup de mou mm-hmm. pendant 3 mois. Mm-hmm. Et puis là, il s'est passé je ne sais pas quoi, mais il faut que je reprenne. Voilà, soyez constant et régulier. Donc ça veut dire qu'on a son objectif, il faut qu'on se crée justement cette feuille de route dont je parle au conseil numéro 2, je crois. Au conseil numéro 2, hein, oui. Voilà, on se crée une feuille de route et ensuite on est constant. C'est-à-dire tous les jours, on se met on se force à faire les choses tous les jours et de façon régulière. Si on se dit par exemple, je veux plus de clients, je veux 50 clients mm-hmm. ce mois-ci. Mm-hmm. Bon, 50 clients, ça veut dire peut-être qu'il faut appeler 5 à 10 clients, 5 à 10 prospects tous les jours au téléphone. C'est ça. Ou n'importe comment. Mm-hmm. Mais je le fais. Il faut se donner les moyens. Je le fais tous les jours et c'est seulement quand on est constant et régulier, c'est là où on arrive à obtenir des résultats. Et des fois même des résultats qui dépassent, où on se surpasse. Et on va doucement, mais on est régulier. Pas à fond, 1000% et plus rien. Voilà. Soyez régulier et constant pour être productif en 2019. C'est le conseil numéro 7. Nous allons encore à la question du jour pour gagner l'agenda. L'agenda qui actuellement est sur le site Amazon. Donc, vous pouvez mm-hmm. vous le procurer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un planificateur qui est non daté. Donc, pendant toute l'année, c'est disponible sur Amazon. Quand vous avez une refonte, parfois, pas qu'un projet, mais une mm-hmm. refonte de votre mm-hmm. vie, vous avez envie de changer les habitudes, vous avez envie de perdre du poids, vous avez envie d'acquérir un peu de bien-être, c'est un projet aussi. Donc, vous avez envie de vous rapprocher de vos enfants, vous ne savez pas comment. Mm-hmm. Il y a des questions sur le domaine du développement personnel où on peut faire ce travail préparatoire-là pour pouvoir attaquer son objectif en mettant en place des actions. Voilà. Et la question pour devenir productif pour vous qui nous écoutez, donc comment vous faites, quelle est votre astuce pour devenir productif en 2019? Voilà. Alors, à vos téléphones, vous appelez tout simplement le 07 81 28 31 76. Si vous avez la réponse, je vous invite à nous appeler. Il faut toujours tenter, essayer. Appelez, lancez-vous, alors on vous attend. Pour la question de M. Eric Florenti, notre artiste. Quel est le nom du groupe qui m'accompagne sur cet album? Alors, c'est très facile. Alors, appelez. Ah ben oui, plusieurs fois aussi. Le 07 81 28 31 76. C'est dommage hein, parce que l'album est vraiment exceptionnel. 8 titres. On a déjà écouté plusieurs titres de l'album aux Antilles. Par amour, on a écouté un autre titre encore tout à l'heure, c'était aux Antilles. Oui, aux Antilles, par amour. Et on va continuer avec d'autres titres si on a le temps. Alors, je vous invite à appeler le 07 81 28 31 76 afin tout simplement de répondre soit à la question de M. Eric Florenti, notre artiste, soit la question de Mme Antoinette Mabita. C'est, franchement, c'est très simple. Est-ce qu'on a des appels? Lancez-vous, chers auditeurs, auditrices, chers Facebookiens, Facebookiennes. Alors, on vous attend. Alors, n'ayez pas peur, lancez-vous. Alors, ce serait vraiment dommage de ne pas gagner ces cadeaux. Alors, c'est toujours bien les cadeaux. Exactement, on n'a rien à perdre. C'est du bonus. Voilà, c'est du bonus.
Chers auditeurs, auditrices, vous êtes dans l'émission Les Carnets de Lise sur la RPC Radio Passion Culturelle. Vous êtes sur le www.radiopassionculturelle.com, sur la plateforme Média Lacaille, sur le Tuning Radio. Alors, peut-être, on va continuer avec notre titre de l'album d'Éric Florenti. On va continuer avec quel titre? Le numéro 4. Donc, je vais un peu parler déjà et expliquer pourquoi le remerciement. Oui. Remerciement, j'ai fait ce titre pour remercier tout d'abord Rodrigue Turlet de m'avoir fait faire mon premier studio. Très bien. Je remercie Jean-Claude Biary de m'avoir aidé à monter sur la scène. Et remercier Dominique Latif de m'avoir, aidé à trouver la technique de chant. Pourquoi ? Parce que avant je chantais, mais je n'avais pas la technique. Mm-hmm. Et je suis allé voir ce monsieur, donc Dominique Latif, qui lui m'a donné des cours de chant pour avoir la technique de chant. Parce qu'il ne suffit pas de dire « je suis chanteur » si on n'a pas la technique. C'est exactement comme celui qui conduit. Il dit « je sais conduire, mais je n'ai pas mon permis ». Voilà. Okay. Voilà. Donc, c'était le rôle de Dominique Latif. Ok, voilà. D'accord. Très bien. On va écouter ce titre. Voilà, « Remerciement », c'est ça, hein? Oui, absolument. Voilà, « Remerciement », le numéro 4 de l'album. Éric Florenti, Fanatique Mania. Éric Florenti, Fanatique Mania. Ce serait dommage de ne pas gagner cet album avec 8 titres. Remerciements qu'on vient d'écouter. Très beau titre aussi, magnifique. Alors, qui fait bouger? Alors, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu la question? La question est la suivante. Oui. Et quel est le nom du groupe qui m'accompagne sur cet album? Le nom du groupe qui accompagne Éric Florenti sur l'album Fanatique Mania. Alors, je vous invite à appeler le 07 81 28 31 76. Nous avons eu des appels, mais ça coupe à chaque fois.
Alors, réessayez d'appeler, hein, ce serait dommage de ne pas gagner cet album. Alors, il y a aussi la question avec Antoinette Mabita. Est-ce que tu peux nous énumérer la question? Merci. Alors, comment vous faites? Quelle est votre astuce pour devenir plus productif? Quelle est votre astuce en 2019 pour devenir plus productif? Qu'est-ce que vous faites tous les jours pour avancer, devenir plus productif? Voilà. Qu'est-ce que vous faites tous les jours, votre astuce à vous, pour devenir plus productrice en 2019? Alors, vous donnez une astuce, essayez, appelez, qui ne t'entraîne à rien, appelez le coach au 07 81 28 31 76. Alors, essayez d'appeler, appelez, essayez. Bon, on peut toujours essayer de répondre, mais ça peut être la bonne réponse. Voilà, c'est une petite astuce. Ça peut être une astuce personnelle aussi. Aussi, c'est très bien. Voilà, c'est très bien. On vous invite à appeler pour pouvoir gagner l'agenda MAB. Alors, c'est un outil de travail, un petit très complet qui va vous accompagner pendant toute l'année. Alors, surtout, ça va vous permettre de relever le défi d'atteindre vos objectifs de vie. Alors, on vous invite à appeler pour gagner cet agenda. Et surtout, à appeler aussi pour gagner l'album d'Éric Florenti. Alors, pour cette année, Éric, 2019, quels sont les événements ou projets, justement, que l'artiste Fanmania a en perspective? Et événements et projets, en ce moment, là pour l'instant, nous débutons l'année. Oui, c'est le début de l'année. On n'a encore rien on attend. En perspective, C'est le mot que je cherchais. Oui. Et on attend qu'on nous fasse une proposition. D'accord. Peut-être j'aurais dû poser la question à l'agent, peut-être à Marie Flaudoui. Peut-être j'aurais dû vous poser la question. Est-ce que voilà, il a répondu. Vous attendez justement des propositions, c'est ça? Oui. Et puis, on commence à, on va dire, à justement organiser notre boîte à outils pour le prochain album. Ah, oui. Ah, c'est très bien. Alors, cette question est vraiment très large. Si elle vient justement dans le cadre d'une activité, d'un événement, est-ce qu'il y a des, par exemple, comment je pourrais vous poser la question? Est-ce que vous avez rien en perspective en ce moment, c'est ça? Vous avez rien du tout, mais est-ce que vous, par exemple, est-ce que vous avez la possibilité aussi de passer un appel, je sais pas, pour des promoteurs qui est-ce que c'est possible ou pas? Oui, sur le Facebook. Parce que en général, justement, on invite. On regarde sur Facebook les différentes associations et tout. On leur envoie des demandes et puis on attend pour voir ce que ça donne parce que c'est pas toujours évident de trouver des contrats sur la région parisienne surtout. Si je peux me permettre, dresser une liste des personnes que vous souhaitez travailler avec ou vous souhaitez avoir un contrat, dresser une liste et commencer, vous n'avez rien à perdre. Les gens vous disent oui ou non. Ah oui, parce qu'on envoie des fois des dizaines de mails et puis on attend. Parce que de toutes les façons, ça ne nous coûte rien. Tout en sachant, il faut faire les statistiques. Vous voulez avoir un contrat, il faut appeler 10 personnes. Vous voulez 10 contrats dans l'année, il faut 100. 100, c'est ça. Voilà. Donc, c'est exactement ça. Voilà. Donc, du coup, partir déjà avec la grande liste. C'est ça. Et puis, lancer. Oui. Voilà. Bon, l'inconvénient, c'est comme on dit, c'est que, moi, je dis, les gens, au moins, avoir la politesse de répondre en disant, on se demandait ce qu'ils ont vraiment reçu le mail, mais parce qu'on n'a pas de retour, on a. Il y a des personnes qui réagissent une année plus tard. Carrément, oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, et si c'est un gros contrat, on lui dit merci quand même d'avoir réagi sur l'année bien ça. Ah ben oui. Alors, la question d'Antoinette Mabita afin de gagner justement l'agenda MAB. Quelle est votre astuce pour
pour devenir plus productive en 2019? Qu'est-ce que vous faites tous les jours? Alors, est-ce que vous avez une astuce, des astuces? Alors, appelez-nous au 07 81 28 31 76. On va revenir aussi à la question de Éric Florenti. Quel est le nom du groupe qui m'accompagne sur cet album? Alors, c'est très facile aussi. Alors, vous appelez, c'est le même numéro, 07 81 28 31 76. Le dernier conseil. Alors, le dernier conseil. Le numéro 8. Le numéro 8, le plus important. Oui. Donc, pour moi, c'est apprendre à travailler efficacement avec soi-même. Ça, c'est bien. La maîtrise du corps. Voilà. Okay. Pourquoi? Parce que notre corps, notre esprit, ce sont des outils qui vont nous permettre d'agir. Alors, il faut qu'on nous connaisse. Bien sûr. Qu'on connaisse. Donc, quand je me réveille le matin, dans quel timing où j'ai le plus d'énergie, où je vais être plus productif. On n'est pas productif toute la journée. Il y a des personnes qui sont plutôt du matin, il y a d'autres qui sont plutôt du soir. Il faut savoir, moi, quel est mon timing, quelle est mon énergie naturelle, où je suis beaucoup plus concentrée, où je vais vraiment travailler à fond. C'est peut-être pas en plein après-midi, c'est peut-être pas le soir, c'est peut-être pas le matin, c'est quand. Donc, il faut se connaître. Et aussi, être conscient de ses attitudes où on va se auto-saboter. Donc, on a des choses à faire, mais finalement, on va bâcler, on va voilà, être conscient que quand je suis en train de faire tel acte, je ne suis pas en train d'être en accord avec moi-même. D'accord. Et donc, apprendre à travailler efficacement avec soi-même, c'est la connaissance de soi, et ça s'appelle tout simplement la gestion personnelle. Savoir comment se gérer soi-même. Parce que quand on a maîtrisé ça, on est beaucoup plus productif. Alors là, c'était le conseil numéro 8. Alors, qu'est-ce que vous pensez du conseil numéro 8? La maîtrise du corps, je suis pour, parce que j'ai toujours, j'ai toujours aimé, j'ai toujours pratiqué la maîtrise du corps. Donc, je suis très, très d'accord avec la question numéro 8. Très bien, c'était les 8 conseils. C'était les 8 conseils. C'était les 8 conseils. Que j'espère va permettre aux personnes qui se sentent concernées d'ajuster et devenir plus productives. Alors tout à l'heure, est-ce que vous pouvez nous rappeler les 8 conseils pour les auditeurs, auditrices? Voilà, juste les rappeler. Juste les grandes lignes. Voilà, les grandes lignes. Conseil numéro 1, trouvez votre raison de vivre, votre pourquoi, qui va vous donner la motivation intrinsèque qui vient des tripes. Très bien. Ensuite, soyez capable de matérialiser votre vision. Savoir avoir les connaissances, c'est bien, mais savoir les transformer en pratique, c'est encore mieux. Très bien. Maîtriser l'utilisation de son temps. Donc, c'est-à-dire la notion de 24 heures pour tous. Qu'est-ce que je fais moi de mes 24 heures pour être productif? D'accord. Conseil numéro 4. Se créer une boîte à outils de l'efficacité. Qu'est-ce que pour vous, c'est quoi votre boîte à outils? Des agendas, des to-do list, d'autres méthodes? Pour vous, c'est quoi? Évidemment, aujourd'hui, moi, je vous propose mon agenda, le planificateur Agenda MAB, pour être productif en 2019. Conseil numéro 5, soyez organisé. Ça a l'air simple, mais facile, mettez hein? de l'ordre dans ce que vous faites, tout simplement, pour être productif. C'est pas sorcier, ça a l'air simple, mais effectivement, quand c'est un peu éparpillé, on n'y voit pas clair, c'est un peu flou et finalement ça nous freine, on avance moins bien. D'accord. Question numéro conseil numéro 6. Conseil numéro 6. Éliminer la procrastination, la maladie de tout remettre au lendemain, à plus tard. Faites ce que vous avez à faire maintenant, immédiatement, pour avancer, pour devenir plus productif. On passe au conseil numéro 7.
soyez constant et régulier. C'est quoi? C'est l'autodiscipline. Vous avez planifié, vous avez voulu réaliser des choses, mais soyez constant et régulier, c'est-à-dire allez-y étape par étape, lentement mais sûrement, ou ne pas être trop dans l'euphorie, et puis ensuite retomber, mais plutôt lentement mais sûrement, j'avance. Voilà. Très bien. Et pour finir, le conseil numéro 8, apprendre à travailler efficacement avec soi-même, qui veut dire la gestion personnelle. Comment est-ce que je veux me connaître pour pouvoir maîtriser mon énergie, maîtriser mon corps, mon esprit, ce que je fais, mes attitudes, mes comportements, pour pouvoir être productif, pour avancer dans mes projets. Très bien. Voilà. Très bien, merci beaucoup. C'était les 8 conseils qui va vous permettre, d'être productif pour l'année 2019. Des bons conseils donnés par Antoinette Mabita, la PDG du concept Agenda MAB. Maintenant, retournons justement à l'artiste, Fan Mania, Eric Florenti. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la question, s'il vous plaît? Oui, alors quel est le nom du groupe qui m'accompagne sur cet album? Voilà, je vous invite à nous appeler pour donner la réponse, le 07 81 28 31 76. Ce serait vraiment dommage de laisser partir cet album. Absolument. Alors, la question, est-ce que vous avez en perspective un clip, une vidéo qui tourne en ce moment? Oui, ou peut-être en préparation? Ah non, qui tourne, bien sûr sur YouTube. J'ai 3 clips, oui, dont 2 clips des Naïades, des Naïades. Hein. Oui. 4 clips. Ah oui, pardon, j'avais oublié le 4e. Ok. Merci. Bah, heureusement qu'elle est là. Oui, bien. Alors, donc, j'ai fait le clip Par Amour aussi, qui est d'ailleurs, qui tourne sur YouTube. Très bien. Je vais aller le regarder. Ah oui, non, il est... franchement, ça, on a travaillé ce clip tous les deux, okay, avant de le mettre en image, avant de le mettre en image, on a travaillé le clip. Et je peux dire que c'est formidable. D'accord, bien sûr, ces clips vidéo, c'est pour soutenir la promotion de l'album. Hein? Oui, absolument. Voilà, et est-ce qu'il y en aura d'autres? Ah oui, absolument, il y en aura d'autres clips à venir, mais... Et prévu quand? Pas sur cet album, sur le prochain peut-être, mais il y aura d'autres clips à venir, puisque là, maintenant, on a compris qu'il faut beaucoup d'images. Oui, bien sûr. Donc, il faut mettre le son en images. On a compris la chose, alors une fois que l'album sortira, donc tout de suite on préparera, on mettra l'image en route. Vous avez aussi un nouveau single, un nouvel album, excusez-moi, merci. Voilà, vous avez un nouveau single qui arrive ou pas? Non, pas du tout. Pour l'instant, je suis en préparation du prochain album, mais okay, je suis en promotion avec celui-ci. Très bien, qui est sorti déjà depuis 2015, hein, oui, c'est absolument. Ça. Voilà. Et, oui, c'est maintenant, justement, c'est ce qu'on dit, hein, c'est dans les vieux pots qu'on fait. La voilà. c'est ça. Et c'est maintenant que le public découvre l'album. Donc, ça nous a tous les deux un peu freinés, parce qu'on avait l'intention de le mettre de côté et de travailler déjà le deuxième. Mm-hmm. Mais quand on a vu que le public réclame et nous demande un peu... En 2018, là, c'est vrai, effectivement, on a fait beaucoup de prestations à propos de cet album. Mm-hmm. Et alors, on a dit, bon, ben, écoute, on va continuer la promotion et puis on va attendre jusqu'à ce que ça s'estompe. Très bien sûr, un nouvel album en préparation pour cette année 2019. En attendant, il y a toujours l'album là qui tourne très très bien. Voilà, Fanatic Mania d'Eric Florenti. Cet album tourne très très bien, hein? Très bien, parce que les titres sont exceptionnels. Il y a 8 titres, c'est pour cela l'album est à gagner tout de suite. Je vous invite à appeler pour répondre à la question. Le nom du groupe qui accompagne Eric Florenti sur l'album, c'est très facile. Il a déjà donné le nom plusieurs fois dans l'émission, là, plusieurs fois de suite. Vous appelez le 07 81 28 31 76. Là, tu m'as mis. C'est une petite pause qu'on fait là, c'est ça?
Ah, d'accord, ok. Il nous reste pas beaucoup de... Il nous reste 4 minutes d'émission. Voilà. Oui, le temps passe très vite. On aimerait vraiment rester. Voilà, on va donner le dernier mot à nos invités. Mm-hmm. On va commencer par vous. Ben, moi, j'aimerais remercier déjà vous de me réinviter. Parce que, la dernière fois, c'était dans l'écho des femmes. Dans l'écho des femmes, et aujourd'hui, en début d'année, mm-hmm. ça y est, on redémarre ensemble. Voilà. Il y a encore plein d'événements à venir mm-hmm. tout le long de l'année. C'est-à-dire, moi, j'invite les personnes qui veulent avancer de venir dans mes ateliers masterclass de productivité oui. Qui vont être deux fois par mois. Donc le prochain sera le 19 janvier, mm-hmm. Toujours à Paris. Donc n'hésitez pas sur la page les masterclass de productivité sur Facebook de vous inscrire, sur la page Agenda Mab de s'inscrire et de venir nous rejoindre pour des personnes qui veulent bâtir leur vie, qui veulent avancer. Et déjà pour demain, on a pour les femmes de la diversité la rentrée. Donc ça va être vraiment l'événement de lancement. J'invite toutes les femmes qui souhaitent vraiment mettre en lumière leurs talents de venir nous rejoindre, de venir rejoindre le club des femmes de la diversité qui font et d'essayer de faire un peu la différence cette année. Voilà. Et sinon, je remercie de m'avoir invité. C'est un plaisir. Ça fait un plaisir de aussi. Ce moment avec des invités que je découvre, qui sont très sympathiques et on découvre de belles choses. Voilà, c'est vraiment un plaisir. Merci beaucoup, Antoinette Mabita. On va demander le dernier mot à Eric et à Florent. Eh bien, moi aussi, c'est simple. Hein, c'est je te remercie, toi, de m'avoir invité. Je vous en prie. Je remercie aussi la radio RPC. RPC de m'avoir invité. Oui. C'est un plaisir. Alors, donc, je souhaite une très, très bonne et heureuse année encore mm-hmm. aux auditeurs et auditrices de la radio RPC. Et je leur dis de continuer à écouter cette radio. Une très très bonne radio Facebook. Vraiment, ouais. Oui, bien et, sûr. Hein. De continuer à écouter cette radio, de continuer à essayer de téléphoner pour gagner cet album et aussi l'agenda. Oui, l'agenda donc, MAB. Voilà, on reste, okay. qui reste branché sur cette radio. C'est une très très bonne radio et je leur dis force et courage et longue vie à la radio RPC. Voilà, qui est sur le www.radiopassionculturelle.com, sur la plateforme Média Lacaille, sur le Tuning Radio, sur le radioline.fr. On va passer aussi le dernier mot à Marie Flaudruy, l'agent de M. Eric Florenti. Merci beaucoup. On va laisser comme ça, voilà. Très bien. Nous remercions la radio RPC de nous avoir invités. Nous en prie. Et c'est vrai que ce fut un moment agréable. D'ailleurs, on n'a pas vu passer le temps. Oui, on n'a pas vu le temps passer. C'est vrai. Madame Mabita. C'est vrai qu'elle est très accueillante. Oui, pour les bons conseils. Oui, pour tous ces conseils, parce que c'est vrai, on en a besoin. Oui, on en a besoin de tous ces conseils. Et puis, une très bonne année à tous les auditeurs et auditrices. Et puis, longue vie à la radio. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation à l'émission Les Carnets de Lise sur la RPC, Radio Passion Culturelle, la radio de l'universalité culturelle, la radio multiculturelle. Et merci à Mabita, Antoinette, pour ses conseils. Parce que ce sont des conseils vraiment précieux. Et on vous invite toujours à appeler au numéro pour gagner l'agenda MAB. On va le rappeler dans l'émission de dimanche. Alors, il y aura l'émission L'écho des femmes. On va aussi... est-ce que tu peux me... Voilà, pour la question. Voilà. Ah oui, pour la question, voilà, est-ce oui. que tu peux oui, me... Je te, voilà. Je te le marque. Voilà, s'il vous plaît. Voilà, Tony, je vous laisse. Voilà, voilà comme ça. Mm-hmm. Alors... On va continuer les remerciements. Merci aux auditeurs, auditrices de l'émission Les Carnets de Lise, de la radio RPC, Radio Passion Culturelle.
de rester branchés sur l'émission, d'être fidèles. Sans vous, on n'est rien. Merci pour vos encouragements. Merci à toutes les personnes qui sont branchées sur le live. Je ne peux pas énumérer tout le monde, mais bien sûr, on vous fera des petites réponses tout à l'heure. C'est la fin de l'émission Les Carnets de Lise. Je remercie tous les auditeurs encore auditrices. Les super branchés d'avoir participé et écouté l'émission Les Carnets de Lise. Je remercie également Madame Antoinette Mabita, l'artiste Fan Mania, aussi connu sous le nom Eric Florenti, et surtout son agent Marie Flaudouy, que depuis tout à l'heure avec le prénom, là j'ai un petit problème, mais magnifique prénom, hein? Magnifique. Dont on a écouté beaucoup de titres de l'album Fanatic Mania. Moi, mon préféré déjà, c'est Par Amour. Et il y en a, les autres sont très bien aussi, hein, sont très très bien. On a écouté Aux Antilles, Remerciements. Alors, je vous invite à appeler le numéro que je vais vous énumérer encore tout à l'heure pour répondre à cette question. Alors, quel est le nom du groupe qui accompagne Eric Florenti sur l'album Fanatic Mania d'Eric Florenti? Alors, je vous invite toujours à appeler le numéro 07 81 28 31 76. Aussi, il y a aussi la question de Madame Antoinette Mabita, la question MAB pour gagner l'agenda MAB. Alors, est-ce que j'arrive bien à te lire? Quelle est votre astuce pour devenir plus productif en 2019? Merci, chers auditeurs, auditrices, Facebookiens, Facebookiennes, d'être restés branchés sur l'émission Les Carnets de Lise du vendredi 11 janvier 2019. Bonne année, bonne santé, meilleurs vœux et surtout, soyez productifs. Ça, c'est sûr. À bientôt, c'était Lydia Antoine. Restez branchés pour l'émission Sandy Business qui arrive tout de suite avec la belle Sandra Saint-Vry. Merci à tous, à bientôt les amis. Merci, au revoir. Ok, d'accord, merci. Tu fais tout ce que je sais, tu me laisses répéter. Je t'en supplie, arrête ton tour. C'est plus la peine de continuer. Adieu, adieu. Va refaire sa vie. Adieu, adieu. Ok, d'accord. Je lui ai dit, arrête ton tour. C'est plus la peine de continuer. La bombe sur le site, je suis plus la peine de continuer. Je veux le mal. Je veux le mal. Je veux le mal. Adieu, 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 adie
Il a déjà eu son chèque. Il a déjà son chèque, on n'a pas encore le photo. Je